Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Voilà, on revient pour vous parler cette fois de notre stage d'un jour sur la voie intérieure. Mais qu'est-ce que la voie intérieure? Toi ou moi? Disons que c'est un stage que nous proposons généralement sur plusieurs jours en présentiel. Et ici, on a décidé de le mettre en un jour parce que certaines informations peuvent être données et vécues, certains exercices en un jour. C'est bien aussi pour ceux qui ne savent pas prendre plus de temps pour... Oui, alors c'est pas la première fois qu'on fait un stage sur l'intuition. On avait proposé aussi des ateliers sur l'utilisation du pendule. On a proposé des ateliers en Zoom sur les guides. Mais l'intuition en tant que telle, on gardait ça pour le présentiel. Et c'est vrai qu'à trois reprises, on a fait un stage sur la voie intérieure qui durait quatre jours. Et cette fois, on a pris... C'est pas ce qui nous paraissait l'essentiel, mais en fonction des demandes des gens, on a repris la théorie et puis on a ajouté des exercices pour viser un objectif en particulier. C'est d'entendre et de comprendre les messages de l'invisible. Alors, ces messages de l'invisible sont nombreux, mais on ne les perçoit pas toujours. Et c'est justement le but de cet atelier d'un jour, de se reconnecter avec soi-même, de se faire confiance, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à tout ce qu'il y a autour de nous, pour pouvoir justement décrypter, décoder, en tout cas entendre, reconnaître parfois certains messages avec des synchronicités, avec des guides. Mais on parlera de toute façon, on va parler des guides, on va parler des synchronicités, on va parler de l'intuition, on va redéfinir l'intuition. On est tous capables d'écouter notre voix intérieure, juste se faire confiance pour commencer et puis être prêt à accueillir les informations, même celles auxquelles on ne s'attend pas. On va parler aussi du champ d'information qui est vaste. Oui, on va pas faire le cours ici, là, tout de suite, maintenant, mais c'est vrai que quand on commence, on a envie forcément d'aller un peu plus loin et d'expliquer vraiment. Mais bon, voilà, vous savez l'essentiel de ce qu'on veut partager sur cette journée. Oui, je vais quand même préciser qu'on va parler des outils, des oracles, mais ça ne va pas être un atelier sur l'utilisation du pendule. On pourra vous en parler un petit peu, mais vous allez voir que c'est le genre de journée qui passe très 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 vite et on a surtout envie que vous fassiez des exercices, que vous pratiquiez. Plus on avance, hein, c'est ce que je remarque aussi Marie-Christine, hein, dans nos stages, dans notre pratique, plus on avance et moins on a envie d'être dans le mental en fait. C'est vrai qu'au départ on est des enseignants, donc on a envie de partager des enseignements. Et puis la meilleure façon d'apprendre, c'est de tester, voilà. D'oser, tester et de pratiquer en fait. La théorie, c'est bien parce qu'il en faut un minimum pour savoir de quoi on parle effectivement. Mais à partir d'un certain moment, je pense que la pratique va nous apporter encore plus de reconnexion, justement quand on parle de ça, de reconnexion, de confiance en soi, de « ok, ça fonctionne, ah là ça a moins bien fonctionné, qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que je n'ai pas mis en place, ah ben j'avais pas assez confiance en moi ou ah ben j'étais dans mes peurs ». Voilà, on parle un peu de tout ça, mais il y a beaucoup de pratique, hein. J'ai envie de dire, oui. Il y a beaucoup d'exercices et voilà, et de partage aussi. Oui, et pas que de la méditation. Hein. Ah non, non. Non, non, c'est une surprise. Alors parlons des dates. La première date que nous vous proposons, c'est à Lyon le dimanche 25 août. Puis il y a Paris en novembre, fin novembre Namur. Décembre 2024, ce sera à Dour, chez nous. L'année prochaine, en 2025, il y a quelques villes, en fonction des demandes aussi. On a choisi Lille, Bruxelles, Liège et la Suisse. Voilà. Et à chaque fois, on va coupler une initiation Reiki le samedi et le dimanche, on fera un stage sur la voie intérieure. Voilà pour cette deuxième capsule. Nous vous disons au revoir et peut-être au plaisir de se retrouver pour l'un ou l'autre stage d'un jour. Sur la voie intérieure. Merci. Au revoir.